On se retrouve dans un nouveau vlog. Donc, alors petite parenthèse, je sais que je vous avais dit que je ne vous filmerai pas quand ma soeur serait là, mais j'avais très envie quand même parce que là nous allons faire une petite sortie tous ensemble avec ma mère, son copain, ma soeur, etc. etc. Et on va aller dans un petit endroit qui m'a l'air pas mal, donc je n'ai jamais été. Puis je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire partager, comme ça bah, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble un petit peu Annecy, etc. Et là j'ai presque plus de batterie, c'est merveilleux. Donc là je filme avec ma Allegri au début et puis en plus mon téléphone n'a plus de batterie, donc je vais voir que je l'éteins, il y aura encore de la batterie jusqu'à ce soir je pense, enfin j'espère. Donc voilà, donc bah, je vais vous filmer tout ça, désolée je remonte mes cotrons, bon, c'est merveilleux. Donc je vais arrêter de parler puis je vais essayer de garder le plus de batterie possible pour vous faire montrer quelque chose de bien, donc à tout à l'heure. Donc là je suis en train de recharger mon téléphone dans la voiture, donc j'essaierai de charger le plus. Mon frère aussi recharge, donc au pire je vous filmerai un petit peu avec tous les téléphones. Donc je vous préviens d'avance qu'il y aura peut-être des différentes qualités d'image. Donc ça je suis désolée d'avance. Parce que le téléphone, il peut pas se brancher. Oui, non, mais le nôtre et puis le sien, bref, c'est pas très grave. Donc je vais essayer de filmer au plus avec l'Allegria si je peux, mais là il y a vraiment presque plus de batterie. Oula, c'est tombé tout seul. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis on se retrouve tout à l'heure. Dans un endroit mais super beau, franchement j'ai c'est la première fois qu'on vient ici. Donc on est où? À Clouvain, c'est ça? Je ne sais pas où c'est, c'est à 25 km d'Annecy à peu près, et là je vais vous faire montrer un petit peu bah, le paysage et tout, c'est trop beau. Nous voici bah, dans un endroit. Donc là en fait ce que vous voyez, moi je croyais que c'était un trou et non, c'est une rivière parce que comme vous pouvez voir ça reflète. L'eau est tellement super nette que ça reflète super bien dans l'eau. Là, vous avez les montagnes. Bon, attendez, je vais essayer de me reculer. Là, il y a un arbre. Alors, voyons. Maxime, fais attention. Hein. Donc, déjà, vous avez le soleil et des montagnes. C'est vraiment... C'est trop beau. Et nous, en fait, on est là-bas. On a bu un petit coup. Donc, j'ai pris un chocolat chaud. Et il était super bon, ça va. Un chocolat assez classique. Et là, mon copain est tout là-bas, l'ombre que vous voyez. Franchement, c'est trop beau. Là, vous avez encore des petites montagnes. Et là, franchement, c'est trop beau, quoi. Ça fait pas, ça fait bizarre, parce que ça rend pas pareil en vrai qu'à la caméra. Et ça, ça me déçoit un peu. Désolée, je suis un petit peu essoufflée, là. Parce que vous avez des montées. Donc là, vous avez une grosse descente. Là, on pourrait pas croire que ça fait bas. Mais en fait si, c'est trop beau, franchement je vais prendre plein de photos après avec mon frère et mon copain, puis on va les mettre sur Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Moi, puis voilà. Hein. J'ai déjà pris plein de photos partout. Ouais mais là on va en prendre à trois là, c'est trop beau franchement, puis le ciel. On va faire une photo de space après. Oui attends, c'est trop beau. Donc après je sais pas ce qu'on va faire, mais là franchement vous avez déjà une belle vue, franchement j'adore, j'ai envie de m'approcher là-bas mais j'ai un peu peur. Donc, je pense que je vais pas y aller. Non non non. Fais le tour. Aïe. Puis là, c'est un peu difficile pour marcher parce que vous voyez, il y a des taupes là. Ils ont fait plein de trucs, donc en plus, le fait qu'il y a des grandes pentes, donc on n'arrive pas trop à marcher. Donc en plus, moi j'ai mis mes nouvelles chaussures que vous verrez bientôt dans une vidéo, qui est comme ceci. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je m'approche un petit peu, il y a mon copain qui est là. C'est vraiment trop beau. Là, vous avez. C'est des maisons là-bas ou c'est des restaurants, non? Oui. Il y a un chalet. Ouais, mon frère qui s'éclate. Donc voilà, je vais arrêter de filmer puis on se retrouve tout à l'heure. J'espère que cette vue vous aura plu, mais franchement en vrai c'est trop beau. On se croirait dans une carte postale, on dirait même pas que c'est vrai tellement que c'est. Et là vous avez les petits sapins là, trop mignon. Je vais zoomer. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. Mais la montagne, attends. La montagne paraît minuscule. Non, oui. Minuscule en vidéo, mais en caméra, c'est immense. C'est trop beau.
Et je vais voir avec mon copain si on pourrait revenir, parce qu'à la base, on voulait venir ici et voir pour la neige, mais vu qu'il n'a pas encore neigé, donc on est un petit peu, entre guillemets, déçus. Mais franchement, avec la neige, ça doit être mais trop, trop, trop beau. Franchement, j'aimerais trop bien revenir pendant qu'il neige, ça serait trop, trop bien. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis j'espère que cette petite vue vous aura plu. De toute façon, on se retrouve après, peut-être que je vais filmer d'autres trucs. Donc voilà, à tout à l'heure! Recoucou tout le monde, donc là, on est en train de partir. Comme vous pouvez voir, je suis dans la voiture. Et là, en fait, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je crois qu'on va visiter un chalet ou je ne sais quoi. Non, donc on verra. On va visiter la ville. On va marcher. Donc bah, c'est super bien. On va marcher. On va marcher. Ah bon? On va marcher. On va au marché, on va au marché. Oui, bah oui, on va au marché. Mais il n'y a pas de marché. Ah bon, d'accord. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire. L'activité marché. Je filmerai tout ça tout à l'heure. Parce que je pense qu'il y aura des petits endroits qui sera peut-être mignon et même un petit peu beau pour vous faire montrer. Donc voilà, j'ai arrêté de parler parce que j'ai peur que la batterie fiote. Parce que là, je fais mes comptes téléphone comme vous avez pu le voir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et coucou tout le monde. Donc alors, vous voici ici. Donc changement de programme. On décide de rentrer car apparemment ma mère, etc. vont faire des courses pour ce soir. Donc apparemment, on mange croque-monsieur. Je ne sais pas, je pense. Donc là, en fait, bah là, on rentre. Et puis là, j'ai très 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 mal à la tête. Donc je vais prendre un médicament en rentrant parce que ça va pas du tout. Et je vais... Oula, pardon, excusez-moi, ça bouge. Et je vais me remettre au montage de ce vlog-ci. Du vlog d'avant. Parce que ça, c'est un autre vlog, donc j'ai n'importe quoi. Du vlog d'avant, celui d'Halloween. Faut que je le finisse parce que je l'ai pas encore terminé, le montage. Et là, je vais commencer tout à l'heure ce vlog-là. Donc je suis trop contente, j'adore les montages. Donc on se redit à tout à l'heure et puis voilà, on reparle tout ça tout à l'heure. Alors coucou tout le monde, m'en voici le lendemain. Donc en fait, je n'ai pas filmé hier soir parce que j'avais très 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 mal à la tête. Et en plus, ils ont été faire des courses pour faire une soirée croque-monsieur, comme je vous l'ai dit ou pas. Non, je crois pas que je vous l'ai dit. Et ils sont restés un petit peu trop longtemps. Et moi personnellement, j'étais un petit peu de mauvaise humeur. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je vais avoir mes machins, j'en sais rien. On a regardé, enfin, il. Pas moi, parce que moi j'ai horreur de ça. Ils ont regardé Energy Music Award, super merveilleux. Le seul artiste que j'ai bien aimé, c'était qui? Il y avait qui? Il y avait Adèle qu'on a vu au début, elle a très très bien chanté. Il y avait Ellie Goulding. Non, elle a gagné un truc. Ça c'est très bien. Il y avait. Comment ça s'appelle? Ellie Goulding. Chanté. Je l'ai pas. Oui, non, mais je l'ai pas vu après. Voilà. Et il y avait qui encore? Ed Sheeran. Ed Sheeran, bon, il chante assez bien en live. Bon, je suis pas fan de lui, mais bon, il s'est bien débrouillé. Ensuite, il y avait qui? Apparemment, les One Day étaient en tout premier, mais malheureusement, quand on a allumé la télé, c'était Adèle, donc je ne sais pas quand ils étaient passés. Ensuite, il y a eu Justin Bieber, donc ça, je l'ai regardé. Donc ça va, il s'est bien débrouillé. Qui? Il en a une? Oui. Bah, c'est normal. Enfin. Et les One Day, par contre, apparemment, ils n'en ont pas eu de récompense, donc ça. J'ai pas vu le début. Donc ça, c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Si les One Day ne reçoivent pas de récompense, c'est bizarre. Mais si, je pense qu'ils ont dû en recevoir une. Donc, Debbie, si tu passes par là, dis-le-moi, s'il te plaît. T'appelles la fille là, qui chante Homeless, Mariana, je sais pas quoi. Elle a super bien chanté, franchement. Le live est trop, trop bien. Tout. Après, je vais arrêter de parler de cette émission. Donc là, en fait, on va faire un tour dans un bois. Que mon copain connaît parce que c'est un bois, parce qu'on cherche un truc de précis. On voudrait chercher un tronçon d'arbre pour tronçon de bois plutôt pour faire pour donner à mes chats pour qu'ils fassent leurs griffes. Et parce que sinon ils font leurs griffes sur les murs et ça devient embêtant en force. Donc on va voir, puis on va se balader un petit peu en même temps. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Donc je vais arrêter de parler, puis je vous dis tout à l'heure. Donc on est arrivé, donc vous voyez l'ombre de la. Coucou. Donc voilà, on est arrivé dans le bois, donc là on s'est garé derrière tout là-bas. Donc là je vais vous tourner un petit peu tout, puis je vais vous faire visiter, parce que moi c'est la première fois que je viens ici. J'aime pas les bois en général parce que ça me fait flipper, mais dans la journée j'adore. Puis quand j'étais petite, quand j'allais encore à l'école, des fois on allait dans des bois, puis on faisait des jeux et tout. Puis là en plus, je me rappelle quand j'étais petite aussi, oh t'as faut passer en dessous, vous êtes sérieux. Quand j'étais petite... On allait dans un bois, puis il y avait des petits parcours à faire. Oula, je suis moche là. Puis c'était cool. Oh, regardez les feuilles qui tombent. J'adore, je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais tourner la caméra. Qu'est-ce que vous faites? Oui, puis on cherche le tronçon de bois, comme je vous ai dit. Ça va, Maxime? Comment te sens-tu aujourd'hui? Maxime? Ouais, tu t'appelles Maxime. Salut. Oh, t'es moche. Ça change pas d'habitude. Faudra le laisser allonger alors. Non, c'est
on va les voir plus loin. Allez, avec ton pantalon. Bon, je vous avance en même temps. Koh Lanta. C'est quoi Koh Lanta? Oh, il y a les mignons. Où ça? Sur le mur. Il y a les mignons. Ouais, des tags. Bon, on vous fera montrer ça tout à l'heure. On a le temps, de toute façon. Allez. Oh, on a le time. Hein. Pas le temps qui manque. Il fait, ah oui, il fait super bon. Donc attendez, je remets l'écran à chaque fois parce que il fait un temps, mais de printemps, mais de fou. Il fait une vingtaine de degrés aujourd'hui. C'est, là, c'est légèrement frais. Au soleil, il fait super, super chaud. C'est même fou. Donc là, je vais arrêter de parler parce qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Donc au pire, je vous retrouve après. Regardez la vue, enfin, l'effet que ça fait trop automne. Salut. Et franchement, j'adore. Voilà tout. C'est trop beau. C'est merveilleux. Maxime qui prend des photos. J'aime beaucoup les couleurs de l'automne. Alors moi qui suis pas fan vraiment de la saison, mais en fait si, finalement j'aime beaucoup. Puis surtout ici à Annecy, enfin le temps... Oula, je suis moche de près. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi? Oh, elle est trop bien la photo, mais ça fait un peu flou, non? Regardez-moi ouais, ça. J'ai un petit on me voit, c'est trop mignon. Donc voilà, là mon copain il est tout loin parce qu'en fait comme je vous ai dit, on cherche un gros bout de bois, un tronçon de bois, pardon. Pour mes chats, parce qu'ils font vraiment leurs griffes souvent sur le mur et ça devient lourd à force. Et là, on est en train de chercher. Il y a celui-là qui est pas mal, non? Ah, voilà, c'est bon là pour la caméra. Donc voilà. Mais même ça, ça donc, peut être beau à prendre. Je vous dis à tout à l'heure. Désolée de me regarder, mais là, je me sens horrible. Je me suis pas maquillée, j'ai eu un peu la flemme. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure pour la suite. Là, on est dans un endroit qui est une rivière, donc c'est super beau quand même. Bon, l'eau n'est pas profonde, mais c'est super beau. J'aimerais bien me rapprocher, mais là, vous pouvez voir, il y a un gros truc là. J'ai pas vraiment envie d'aller plus bas. Bon, il y a le pont qui gâche un peu tout, puis un peu les arbres et tout, mais voilà. Là, vous voyez le truc bleu là-bas, c'est un caddie de chez Carrefour, super merveilleux. Ouais. Non, là-bas, j'aime beaucoup l'effet des cailloux et l'eau là. Je sais pas, j'aime beaucoup. C'est de l'eau. Hein. Là, vous avez un tout petit parc, une sorte de petit pré, un truc comme ça. Bonjour. Voilà, c'est super beau là-bas. On va où là, tout droit? Je continue à filmer, ça vous profitez de la vue. Nous revoici après quelques instants. Donc là, on est en train de faire une partie de badminton. Donc je pense que vous devez vous rappeler qu'on en avait fait une, qu'on est reparti. C'est mon frère qui a gagné contre moi parce qu'on en a fait une juste avant. Et là, c'est mon copain et mon frère qui jouent. Donc voilà. Qui gagne là, c'est Maxime? Bah oui, comme d'hab. là, c'est qu'un entraînement après. On joue pas, hein. En même temps, vous voyez un petit peu le décor. Enfin, ce qu'il y a autour. Allez, là, au milieu de danser. Allez, je la tire comme ça. Ils sont graves, ces gens. Il y a des gens quand même. Ouais André, vas-y, vas-y. Ouais, tu te rattrapes comme la dernière fois, c'est bien. Et du coup, c'est moi qui ai le point. T'as, je rêve. Vous savez quoi? J'ai filmé l'Alegria hier pendant une heure et demie. Il y a déjà des trucs en... Il y a déjà un bateau en moins. Là, ça m'énerve, je comprends pas pourquoi. Va falloir remédier à tout ça. Bonjour. Regardez-moi ça. Je sais pas ce qu'ils me fabriquent, mais... Ils sont graves. Bref, je vais arrêter de filmer. Je pense que vous avez bien vu une bonne partie la dernière fois. Je suis coiffée comme je sais pas quoi vu que j'ai joué. La dernière fois qu'on est parti à Mers-les-Bains. Oui. Donc, non, quand on est revenu de Mers-les-Bains. Je viens de faire quoi là? Donc voilà, je crois que je vais arrêter. Puis on se dit à tout à l'heure. Coucou à tous. Donc, alors, on vient de. Ben, on est dans la voiture pour repartir. Donc, on a fini la petite balade. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce petit bois. Moi, personnellement, j'aime bien. Le petit coin où on a été pour jouer au badminton, j'aime beaucoup ce petit coin. Ça fait trois fois que je dis le mot coin, mais bon, c'est pas grave. Donc, la prochaine fois, on aimerait bien faire un petit. Ben, la prochaine fois. Quoi. Plutôt, je ne sais pas quand, faire un barbecue. Bon, là, c'est vrai qu'avec le temps qu'il fait, c'est pas vraiment super. Mais là, il fait bon. Ça serait cool de faire un barbecue là-bas. Donc, là, on va rentrer parce que. Ben, on n'a pas grand chose à faire, j'ai super mal à la tête encore une fois, donc je vais reprendre un médicament et puis on va voir ce qu'on va faire. On a trouvé un tronçon de bois, donc voilà la taille du truc, ça fait au moins un mètre. Donc en fait mon copain va voir pour peut-être le couper parce que c'est vrai que ça fait un peu grand dans la chambre ça. Et comme ça ben, y aura un côté les chats qui vont en avoir un et de l'autre côté ben, ils vont en avoir un aussi. Donc voilà, là on sait pas du tout ce qu'on va faire tout à l'heure. Personnellement,
Bah je ne sais pas. On va rentrer, on va jouer. Donc c'est vraiment frérement, on a envie de jouer à la PlayStation, enfin l'ordinateur plutôt. Et vu que j'ai acheté le Mastermind, j'ai envie d'y jouer, donc je ne sais pas quand, désolé pour ma coiffure. Donc je vais voir avec mon copain et Maxime si on peut jouer ce soir. Bon ça se joue à deux mais chacun leur tour. Donc voilà, je vais arrêter de parler, puis vivement tout à l'heure parce que je vais commencer mes montages aussi. Donc j'ai pas encore fini le montage du vlog d'Halloween. Bon vous l'aurez déjà vu depuis longtemps, mais je l'ai pas encore fini. Donc on se dit à tout à l'heure. Nous sommes rentrés, donc là, mon copain a une envie soudaine de faire des pop-corn, donc il est en train d'en faire. Là, on les fait maison, parce que j'avais acheté un truc exprès que vous avez dû voir dans mon hall, normalement, dans un de mes halls. Et le truc, c'est que il a complètement cramé parce que j'ai oublié de mettre un truc en caoutchouc dedans, donc ça a cramé les rebords. Et en plus, ça n'avait aucun goût, donc là, il est fait un petit peu avec du beurre. Puis il va rajouter du sucre, je pense, au-dessus. Parce qu'au beurre, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est... voilà. Donc voilà, on sait pas ce qu'on va faire. J'en sais rien. C'est moins gras le beurre que l'huile. Ah, c'est moins gras le beurre que l'huile. Donc tant mieux. Et puis là, je sais pas ce que je veux faire. Donc je vais peut-être ranger la petite vaisselle que j'avais fait tout à l'heure. Puis voilà, donc on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On se retrouve quelques jours plus tard, je crois. Donc alors en fait, je me suis détaché les cheveux. En fait, je me suis lavé les cheveux et là, je les fais sécher à l'air libre. Et j'ai retrouvé mon kimono à fleurs, comme vous avez pu le voir pendant je sais pas combien de temps. Et il me manquait, donc je l'ai remis. Par contre, je trouve plus un de mes t-shirts que j'ai acheté, celui du hall de il y a pas très longtemps avec marqué London. Je ne le trouve plus. Donc je sais pas du tout où il est. Donc là, désolé, je me recosse que là, je suis coiffée comme une je sais pas quoi là. Donc en fait là nous allons dans plusieurs magasins. Donc en fait nous allons à Kiabi Vima. Donc pour ceux qui connaissent pas vous verrez tout à l'heure. Et nous allons à je sais plus où, à Auchan pour faire les courses. Et ils ont mis les décos de Noël et ma mère a acheté un truc pour moi et ma soeur. Et vous le verrez sûrement, peut-être pas dans un hall parce que ça fait partie des cadeaux de Noël je crois. Donc je sais pas en fait, je verrai bien. Au pire, je le ferai montrer dans un hall plus les cadeaux de Noël. Après, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais commencer à acheter les cadeaux d'anniversaire de mon copain parce que c'est quand même dans 15 jours. Donc voilà, faut quand même un petit peu se dépêcher. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc en fait, oula, désolé, je filme avec ma Legria, je n'ai pas ma perche. Je sais pas du tout si je vais pouvoir filmer avec dans les magasins. Oh, je suis coiffée comme une plouque aujourd'hui. Oh là là, mon dieu, c'est la catastrophe. Donc voilà, je vais voir comment ça va se passer pour les magasins. Et puis voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Re-coucou à tous, me voici plusieurs jours plus tard. Donc alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc alors j'ai pas filmé parce que, bon vous verrez pas vraiment parce que vu qu'il y a les montages etc. Vous penserez que c'est à la suite etc. Mais en fait ma soeur est partie le 12 comme vous le savez. Et j'avais filmé la fin de ce vlog mais en le re-regardant je l'avais filmé le lendemain c'est à dire le 13. Et je l'avais filmé assez tard et je ne savais pas ce qui s'était passé au début par rapport à Paris etc. Donc en fait je me suis dit s'ils voient ça ils vont penser que je m'en fiche alors que c'est pas du tout vrai, je ne savais même pas. Parce qu'en fait pour vous dire je ne regarde jamais les informations, mais jamais parce que je n'aime pas déjà d'une. Et parce que j'en ai marre de savoir ce qui se passe dans le monde entier même si c'est important de le savoir. Mais de savoir qu'il y a certaines choses qui se passent ça me fait peur et ça m'empêche de... Enfin je m'inquiète tout le temps et... J'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, donc je la regarde pas tout simplement. Mais en fait, le 13 novembre, on a regardé machinalement la télé et on a vu ce qui s'était passé à Paris. Et franchement, voilà, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe encore? J'ai été encore... je savais pas qu'il y aurait eu encore autant de décès, etc. Et j'en suis profondément désolée. Franchement, ça m'énerve, ça me rend triste et ça me fait peur. Et pas qu'à moi, bien sûr, au monde entier. Mais franchement, là, ça devient grave, je vous le dis. Bon, en fait, chez le copain à ma mère, pour être précise, on va parler d'autre chose parce que, voilà. J'arrête le vlog maintenant, qu'est-ce que je raconte? Dans la partie que j'avais filmée de la fin du vlog, je disais plein de trucs que j'ai effacés parce que je trouve que ça sert à rien ce que je dis. Pour vous dire que j'ai terminé enfin mes cadeaux de Noël, que je ne vais pas à Action parce que normalement, je devais y aller lundi, mais on n'y va pas à cause de l'essence parce qu'on a calculé, etc. C'est trop cher par rapport... ce que je veux là-bas, etc. Et je ne sais plus ce que je voulais dire.
Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère refaire la fin mieux que ça. Et puis, ben voilà, je vais arrêter le vlog maintenant parce qu'il dure quand même presque 20 minutes. Bon, à peu près quand je vais parler, ça va durer ce temps-là. Donc voilà, il y aura d'autres vlogs de prévus. Mais là, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe, je n'ose pas mettre de vidéo en ligne. Mais bon, peut-être que là, d'ici quand vous verrez le vlog, il y aura. Ben, je serai obligée de mettre des vidéos qui datent. Oula, ouh, excusez-moi, j'ai pas pu respirer. qui date de je ne sais plus quand, qui date encore du mois de septembre je crois. Ouais, j'ai fait des vidéos qui datent encore du mois de septembre, donc ça fait un peu beaucoup. Et il faut vraiment que je les mette en ligne. Mais d'abord je mettrai une vidéo en ligne de mon hall d'hiver où je parle justement de ce qui s'est passé. Donc voilà, comme ça vous ne direz pas oh non mais franchement t'exagères de mettre une vidéo. Enfin je veux dire c'est pas parce que je mets une vidéo, cahier, je m'en fiche de ce qui s'est passé, au contraire. Mais c'est parce que il faut vraiment que je sois en avance parce que j'ai encore deux DIY de Noël à filmer. Et ça c'est pas assez facile entre guillemets parce qu'il faut tous les, il faut toutes les choses, etc. Donc voilà, je vais arrêter de parler. J'espère encore une fois ce vlog vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Et gros bisous à tout le monde.